Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. J'ai toujours 72 ans et je suis vacciné depuis 2 jours. Et apparemment, je vais mieux. Enfin, disons que ma fièvre a plus ou moins disparu et puis que j'ai toujours un peu quelques maux de tête. Mais à part ça, ça a l'air de se passer plutôt bien. Bon, alors ça, c'est pour encourager ceux qui ne sont pas encore vaccinés à aller se faire vacciner. C'est quelque chose, c'est un devoir de citoyen du monde. Voilà. Bon. Alors, maintenant que j'ai fait ma petite pub pour la vaccination, je vais vous dire. Alors, vous voyez, je suis sur l'aéroport international de je ne sais pas quoi, là. Mais c'est à Athènes, hein, parce que c'est Eleftherios Venizelos. Alors, voilà. C'est un peu compliqué à dire. Mais enfin, je l'ai dit. Et donc, c'est donc Athènes. Et pour un vol que j'ai prévu de faire jusqu'à le Caire, jusqu'au Caire, hein, en Égypte. Donc, alors, qu'est-ce que je regardais ce matin? Je regardais ça et je regardais notamment pour mon atterrissage en ILS sur la piste 36, donc du Caire. Voilà, je cherchais la carte et en regardant la carte donc des ILS de la piste 36, là. Qu'est-ce que je lis là? Je lis ben, tout ce qu'il y a comme d'intéressant à lire sur cette carte, mais notamment, et je vais, bon là je suis au maximum de l'agrandissement, mais vous voyez ici que j'ai un translevel à FL 60, au niveau 60, et que j'ai une transition altitude, remarquez mon accent, donc la transition d'altitude à 4 500 pieds. Donc on est d'accord. Qu'un translevel FL60, ça veut dire un niveau de transition au niveau 60, c'est-à-dire à 6 000 pieds, en fait. Hein, voilà, 6 000 pieds, une altitude de 6 000 pieds. Mais c'est un niveau, voilà, parce que ça, c'est quelque chose dont on va avoir besoin quand on va atterrir, quand on lit un FL comme ça, c'est qu'on est encore en croisière. Je vais donc passer à ce que j'ai préparé pour vous expliquer la différence qu'il y a entre une altitude de transition et un niveau de transition. Alors, je me demandais souvent quelle était cette différence entre altitude de transition que l'on peut trouver sur les cartes comme la carte qu'on vient de voir, là, la carte de l'ILS, piste 36 du Caire. Et ce niveau de transition. Alors voici la réponse. Alors l'altitude de transition, AT, Transition Altitude, TA en anglais, est l'altitude à laquelle, pendant la montée, on doit passer du QNH local au QNH standard. Donc le QNH standard, c'est le QNH que vous donne. Le sol, hein, quand vous êtes à l'aéroport, avant de décoller. Donc vous avez un QNH. Voilà. C'est ce qu'on appelle le QNH local, le QNH de l'aéroport duquel on part. Voilà. Donc, l'altitude de transition, c'est l'altitude à laquelle on doit appuyer sur le bouton pour passer du QNH local au QNH standard. Le QNH standard qui est un QNH qui est le même pour tous les avions qui volent au-dessus des altitudes de transition. Cette altitude est nommée comme altitude, car on l'atteint à la montée lorsqu'on est encore sous QNH local. Voilà. En France, donc, cette altitude, je vous le dis, cette altitude de transition est fixée à 5 000 pieds, sauf exception, due en particulier souvent au relief. Chaque pays peut définir une altitude de transition générale et bien sûr les altitudes de transition en fonction des aéroports particulières. Bon, maintenant le niveau de transition, NT, le translevel, soit TL en anglais, hein, c'est l'altitude pendant la descente, donc au moment de la descente, quand on se rapproche d'un aéroport pour y atterrir, c'est l'altitude pendant la descente à laquelle on doit passer du QNH standard, hein, au QNH local. C'est-à-dire que bien sûr, je pense que ça doit être l'approche, hein, la fréquence d'approche, qui va vous donner ce QNH local, ou bien vous le regardez aussi sur le métar, par exemple. Hein, voilà. Voilà. Donc,
cette altitude, niveau de transition, est nommée niveau, level, car on l'atteint à la descente lorsqu'on est encore sous QNH standard, c'est-à-dire quand on est encore sous QNH de croisière, d'une certaine manière. Voilà, quand on est pendant notre vol, ni au décollage, ni à l'atterrissage, d'une certaine manière. Donc, ça s'appelle un niveau. Hein, vous le savez, FL, Intel. FL, par exemple, FL60, comme on vient de voir. Voilà. Ce niveau de transition est donné en général par les contrôleurs ou parfois sur les cartes. Voilà. Donc, en principe, si vous ne connaissez pas le niveau de transition, eh bien, vous pouvez le demander au contrôleur ou vous le trouvez sur les cartes, comme on vient de voir. Là. Bon, sur la carte de l'aéroport sur lequel vous allez atterrir. Voilà. Mais en général, il n'y est pas toujours, et c'est dans le plus souvent marqué, que vous devez le demander au contrôleur aérien. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin avec ça, parce que bon, déjà ça m'a renseigné, et maintenant, je le saurai, et vous aussi. Bon, ceux qui ont regardé cette vidéo le sauront. Mais il y a une autre chose qui me titillait. Alors, à propos de l'altitude de transition. Alors, à propos de l'altitude de transition, j'ai personnellement appris qu'il est parfois d'usage d'éteindre à la montée ou d'allumer à la descente les feux d'atterrissage à cette altitude de transition. Mais d'autres sources, dont l'un d'entre vous, hein, je ne sais plus si c'est Pascal ou quelqu'un d'autre, mais enfin bon, si c'est Pascal, je le remercie, si c'est quelqu'un d'autre, je le remercie aussi. Quelquefois, je reçois pas mal de messages, et je mélange un peu. Bon, quand je vous lis, je ne vous mélange pas, hein, je sais qui vous êtes. Mais quand il y a un petit moment comme ça que je n'ai pas regardé, eh ben, je peux confondre. Hein, mais donc, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit, mais moi je crois, je ne sais pas, tu as peut-être raison, mais jusqu'à maintenant, j'avais entendu dire que l'usage, c'est d'allumer ces feux en dessous de 10 000 pieds pour l'atterrissage et de les éteindre au-dessus de 10 000 pieds pour le décollage. Donc voilà. Voilà ce que j'avais entendu aussi d'autre part. Alors, bon, bien sûr, j'ai cherché à savoir, à en savoir un peu plus. Vous savez que j'aime bien fouiller un peu, fouiner. Bon, voilà. Alors voilà, j'ai trouvé... Je vais vous donner la traduction d'un passage d'une publication à ce sujet. Une publication qui vient de la FAA, la Federal Aviation Administration, qui est une émanation du département des transports des États-Unis, je crois. Hein, ouais. Enfin, j'en suis même sûr, hein, américain. Voilà. Alors, voilà ce qu'ils disent. Donc ça, c'est une traduction maison, mais c'est ma traduction. Les feux d'atterrissage ne sont pas seulement utiles pour le taxi, les décollages ou les atterrissages, mais peuvent aussi fournir un moyen par lequel les avions peuvent être vus la nuit par d'autres pilotes. Donc, quelquefois, on peut se servir des feux d'atterrissage en l'air de manière à ce qu'un avion qui arrive puisse mieux vous voir. Voilà, quand vous êtes en l'air, hein, quand vous êtes en vol. Voilà, donc c'est la première chose qu'on nous dit. Et puis ensuite, il y a une suite. Les pilotes sont encouragés à allumer leur phare d'atterrissage lorsqu'ils naviguent à moins de 10 000 nautiques d'un aéroport. C'est-à-dire non pas une altitude là, mais une distance. Hein. C'est-à-dire quand on approche à moins de 10 000 d'un aéroport sur lequel on veut se poser, eh bien, on est encouragé à allumer ces feux d'atterrissage. Voilà. Donc, à 10 000 nautiques, pas à 10 000 pieds, hein, à 10 000 nautiques d'un aéroport. C'est une distance, pas une altitude. Voilà. Et ensuite, c'est aussi encouragé de... Alors, c'est là où on a la réponse à ce que je disais juste au-dessus. Et en dessous de 10 000 pieds. C'est-à-dire que les pilotes sont encouragés à allumer leur feu d'atterrissage en dessous de 10 000 pieds. Dès qu'on est en dessous de 10 000 pieds, notamment quand on approche d'un aéroport, je suppose, hein, quand on va atterrir, eh bien, on doit allumer ses feux d'atterrissage. Voilà. Voilà ce que dit cette publication, ce document de la FAA. Et ils ajoutent, ces gens-là, l'allumage des feux d'atterrissage peut s'appliquer de jour comme de nuit.
et aussi, ou eau aussi, dans des conditions de visibilité réduites. C'est-à-dire que si les conditions de visibilité sont très réduites, on peut allumer ces feux d'atterrissage où qu'on soit. Voilà. Et c'est même conseillé. Voilà. Alors, dernière chose, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, cela doit également se faire dans les zones où peuvent être attendus, alors là, ça c'est ma traduction, des troupeaux d'oiseaux, c'est-à-dire des vols d'oiseaux, des vols compacts d'oiseaux, hein, vous en avez déjà vu, hein, ces oiseaux qui sont en migration, ou enfin, souvent des étourneaux qui volent en grands groupes comme ça, immenses. Bon, eh bien, on peut allumer ces feux, c'est même recommandé d'allumer ces feux dans ces moments-là. Alors, je suppose, ils ne disent pas pourquoi, mais je suppose que c'est pour les effrayer, c'est-à-dire pour essayer de les disperser, en fait, voilà. Bon, écoutez, les amis, voilà. Donc, je vous mets en note sous cette vidéo hein, YouTube, je vous mettrai ce petit document que je vais faire en PDF qui vous permettra de vous référer donc au document si vous n'avez pas tout bien saisi ici. C'est tout bien écrit, je me suis appliqué pour l'écrire. Vous pouvez le lire, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous voyez que le jour se lève à Athènes et qu'on va pouvoir décoller. Hein, je vais pouvoir, mais vous êtes toujours avec moi. Décoller pour le Caire en Égypte. Ça va être un beau voyage. Voilà. Allez les amis, à très bientôt. À très bientôt.